Voici pour vous, mes amis, le message de Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, en signe pour l'ouverture de l'ordre de la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Un enseignement délivré le 1er janvier 1986 au messager et à ses amis, et redonné par Saint Joseph pour la famille d'Ave Maria le 19 janvier 2010. Ceci pour que nous devenions des saints, afin que Jésus revienne au milieu d'un monde saint. Mes enfants, le ciel tout entier se joint à moi pour vous souhaiter, à l'aube de cette nouvelle année, une vie sainte et sans nuages. Soyez des fils et des filles du bon Dieu tous les jours, et ne laissez pas le démon briser les beautés que votre Père du ciel a construites en vous. Par votre manque de souplesse et de tolérance entre vous, votre cœur se cabre et vos idées se figent. Le démon peut vous inspirer. Vous interprétez mal les attitudes de vos frères. Vous vous montrez froid, agressif, arrogant. Vous vous faites du mal. Vous vous faites souffrir de ne point vous accorder, alors que telle est la volonté de votre Père. Vous pratiquez mal votre foi dans la vie de tous les jours. Ne vous a-t-il pas été dit que la sainteté commençait par la recherche de la perfection dans les moindres actes, paroles et pensées de la vie quotidienne? Alors pourquoi juger sans cesse vos frères et interpréter mal leur comportement? Pourquoi vouloir à tout prix leur prêter des pensées mesquines qui ne sont que le reflet de votre pauvre âme tourmentée par le péché? Soyez tout amour et tout sourire. Sachez apprécier ce qui vous est offert avec cœur et remercier. Ne vous montrez pas perpétuellement insatisfait alors que vous devriez vous sentir comblé. Ne vous regroupez pas entre vous pour formuler critiques et attaques, mais au contraire, chantez les louanges des dons de chacun. Combien il est bas, alors que le Seigneur met tout en œuvre pour faire votre bonheur, de vous retirer en vous-même avec les démons pour complices et d'écouter la voix de la méchanceté et de la critique facile. La voix de ceux qui sont et seront perpétuellement insatisfaits car ils se sont séparés de Dieu. Mes enfants, ne vous laissez pas entraîner dans de tels pièges du tentateur alors que vous avez en vous tous les éléments pour bien réussir votre vie spirituelle. La vie en communauté n'est pas chose facile. Ne soyez pas jaloux entre vous. Au contraire, sachez apprécier les qualités des autres et les copier. Quant à leurs défauts, sachez les haïr et en retirer pour vous une leçon. Voyez comme les faiblesses des autres sont pénibles à supporter. Voyez comme le démon vous pousse à les détecter
et combien parfois il est grossier dans votre esprit afin de provoquer votre énervement et votre colère. Le démon n'aimant pas non plus les qualités, il tente aussi de démolir celles des autres à vos yeux en vous susurrant « Mais cette personne se comporte ainsi pour se faire remarquer. Elle est trop pieuse. Ce n'est pas naturel. C'est de l'hypocrisie. » Soyez conscient du fait que dès que vous êtes en compagnie, les autres deviennent plus ou moins le miroir de votre âme. Si vous semez la froideur, ne vous étonnez pas de voir un sourire s'effacer chez votre frère. Si vous semez l'intolérance, ne vous étonnez pas de rencontrer l'agressivité. Si vous semez la haine, ne vous étonnez pas de vous voir rejeté. Si votre bouche est amère et remplie de fiel, et que vous vous emportez facilement, si vous n'êtes pas doux et charitable, bon et affectueux, vous sèmerez le désordre et la guerre sur votre route, et tout ne sera ensuite que destruction et désolation. Les amitiés les plus solides s'écrouleront. L'intimité la plus parfaite sera brisé par votre faute. Sachez donc écouter la voix des anges qui nous est indiquée par notre bonne maman du ciel et par notre Père qui vous a donné tout son amour en vous envoyant son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Ne vous laissez pas emporter par des mouvements d'humeur, même s'il vous semble justifié. Semez l'amour en acceptant, sans murmurer, l'agressivité de vos frères. Parlez peu et priez beaucoup. Laissez votre amour propre de côté et ne lui permettez pas d'atteindre votre cœur, car aussitôt, tout votre être réagit et se révolte. Si votre cœur saigne parce que vos frères vous attaquent mauvaisement, trouvez du secours auprès de Dieu et dans quelques tâches matérielles charitables. Mes enfants, pourquoi êtes-vous si peu enclins à apprécier les qualités des autres ? Copiez-les donc, et à votre tour, vous serez appréciés. Pourquoi voyez-vous la liberté dans l'insoumission et dans l'accomplissement de votre propre volonté? Si un mode de vie vous est conseillé par notre Seigneur, si des recommandations vous sont faites au sujet de certaines tentations à fuir, de certaines situations à éviter, de certains lieux à ne pas fréquenter, ou de certaines musiques à ne pas écouter. Ce n'est pas pour vous ennuyer ou vous rendre ronchon. Oh, mes enfants, faites preuve d'une once de compréhension et croyez que nous ne recherchons dans le ciel que votre bien. Notre tâche est de vous aider à vivre saintement et à prier et louer le Seigneur le mieux possible. Notre fidélité et notre amour ne sont-ils pas la preuve de tout cela ? Je vous dis, ne faites pas ceci, car c'est mauvais pour votre santé spirituelle.
Vous risqueriez de tomber en tentation et de céder au péché. Et vous vous empressez de le faire parce que vous désirez être libre. Mes pauvres enfants, vous faites souffrir Jésus. Vous faites pleurer la Sainte Vierge qui est votre maman, tellement attentionnée. Vous laissez entrer un petit démon dans votre âme et il vous souffle « Oh, ce n'est pas grave. Quelles conséquences crois-tu que ça puisse avoir ? Vis donc dans le monde. Fais comme les autres et tu seras normal. Va au cinéma. Regarde la télévision. Lis les derniers romans. Danse sur des musiques modernes. Tiens-toi au courant. Allez, sors de ta coquille. » Et la société tout entière court à sa perte. Cela commence par des actes anodins. Et une fois que l'esprit du mal a pénétré en vous, une fois que le grappin vous tient, vous ne pouvez plus vous débarrasser de lui. Vous ne confessez plus des péchés qui vous paraissent véniels, comme l'envie, la jalousie, la colère, la paresse, quelques accès d'orgueil, de vanité, ou bien de gourmandise en ces temps de fête. Il n'y a plus beaucoup de péchés en dehors de l'impureté et de l'adultère, de la violence. Qui va aujourd'hui à confesse pour avoir trop mangé et gloutonnement ? Qui va à confesse pour s'être montré désagréable envers son frère ? Qui va simplement en confession et entre dans les détails comme le Seigneur l'attend ? Qui est réellement peiné d'avoir offensé le Seigneur et sait réellement s'humilier afin de compenser ce manque d'amour qu'est le péché ? Le péché prend parfois des apparences trompeuses. Ainsi peut-il se trouver aussi dans des choses qui semblent belles à nos regards, mais qui sont en fait remplies de sensualité ou dont la beauté n'est qu'extérieure. Sachez réfléchir, mes enfants, réfléchir sans cesse et écouter la voix des anges, messagers du Seigneur et des saints qui sont vos protecteurs et qui intercèdent pour vous dans le ciel auprès de Dieu. Alors que ce message de Nouvel An soit pour vous un message d'amour et d'incitation à la prière et à la réflexion. Laissez le ciel vous guider. N'extériorisez pas les fruits de vos méditations dans des gestes de joie trop exaltés, car telle n'est pas la démarche d'humilité que le Seigneur vous a enseignée. Au contraire, restez discret, et que ce soit dans votre vie de tous les jours que vos frères remarquent les fruits de votre enrichissement spirituel. Ne vous comportez pas en enfant gâté à qui tout est dû. Ne soyez pas sans cesse insatisfait. Ne vous critiquez pas les uns les autres et ne formez pas entre vous des clans. Oui, mes amis, oui, mes enfants, renoncez aux vanités du monde et écoutez le ciel. Si vous désirez plaire au Seigneur en cette année, faites-en une sainte année et vous attirerez à vous
les grâces les plus merveilleuses et les plus abondantes. Priez, mes enfants, priez, car la victoire n'est pas facile. Soyez bons, aimez-vous. Tel est le message de votre bonne maman du ciel, et si vous voulez le secret du paradis, eh bien le voici pour conclure. Priez la Sainte Vierge avec tout votre cœur et toute votre foi. Demandez-lui de vous garder fidèle à Jésus et à son Église et de vous conduire un jour au ciel. Voilà, mes enfants, et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, et moi, son dévoué serviteur, je vous bénis au nom du Père, au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit. Amen. Jean-Marie Vianney, prêtre de la paroisse d'Ars. Il fallait être un saint comme le curé d'Ars pour rester sans bouger pendant des jours entiers. Dans un confessionnal, il fallait être un saint comme ce vieux curé pour accueillir les gens avec un grand sourire, devinant leurs péchés. Il fallait être un saint pour donner à la France la foi en ce Jésus. Qu'on avait pourchassé, qu'on avait enterré, qu'on avait renié au nom de la Révolution. Pour redonner la foi, pour redonner l'amour de cette religion, il fallait un curé. Dans cette France athée qui baignait dans son sang, dansant la carmagnole, on ne donnait pas cher pour la peau d'un curé. Dans les églises fermées, on mettait du bétail, tabernacle éventré, crucifix aux ferrailles, sous l'autel saccagé. Il fallait être un saint pour donner à la France la gloire de Marie. Qu'on avait humilié, qu'on avait blasphémé, qu'on avait écarté, qu'on avait oublié. Pour redonner la foi, pour redonner l'amour de cette religion, il fallait un curé. Il fallait être un saint goûtant la discipline, au pour aimer souffrir, au fouet, au cilice, sans un mot pour se plaindre. Il fallait être un saint et bien être guidé par son ange gardien et sainte Philomène pour savoir résister. Il fallait être un saint pour donner à la France la force de l'esprit. Qu'on avait maltraité, qu'on avait rabroué, qu'on avait simplement encore abandonné. Pour redonner la foi, pour redonner l'amour de cette religion, il fallait un curé. Il fallait être un saint en ces temps déclarés pour oser défiler en portant dans ses bras le doux Saint-Sacrement, pour partir en campagne, y porter les médailles et bénir ses ouailles au nom d'un évangile qu'on avait déchiré. Il fallait être un saint pour donner à la France la foi en Jésus-Christ.
et oser affronter les mains levées au ciel avec son regard noir, les foudres du malin. Pour redonner la foi, pour redonner l'amour de cette religion, il fallait un curé. Pour redonner la foi, pour redonner l'amour de cette religion, il fallait se curer. Gentil curé, qui va laisser tes ouailles, je suis venu te dire, avant que tu t'en ailles, dans notre paroisse vide, assieds-toi donc un peu, je vois que tu nous quittes, on reste encore un peu, ne désespère pas, car ta vie va changer. Dans ton église vide que tu laisses fermer, je suis là pour te dire, mais avant tes adieux, je te supplie ici, écoute encore un peu. Toi, mon gentil curé, offre-moi un peu tes livres, tu vas bientôt pouvoir réouvrir ton église. Tu devrais rebrancher ton bel ordinateur pour écouter la voix de notre sacré cœur. Mais même si ton esprit se rebelle et renacle, agenouille-toi un peu devant ton tabernacle, car ici l'invisible s'y fait toujours présent, mais tu as pris le risque de n'y voir qu'un absent. Toi, je ne te demande, oh, vraiment pas grand-chose, juste revoir un peu ta façon de voir les choses. Oh, j'aimerais t'en voir revivre ta paroisse et la faire rejaillir de ses vieilles angoisses. Je vais venir t'aider, fais briller ton église, et sur son 31, qu'elle soit bien remise. Tu sais, n'écoute plus tous les blasphémateurs, ils veulent détruire Jésus, je connais leur rancœur. Elles sont tristes à mourir, tes longues homélies, tu les as trop nourries de neuves théologies. Je t'en prie encore, évite ton baratin. Le Seigneur sur la croix en pleure tous les matins. Remets ta belle chasuble et ton étole d'or, et ta belle robe blanche et ses broderies en or. Dans une belle hostie blanche, tu pourrais dès demain faire venir le Seigneur entre tes douces mains. Toi, mon gentil curé, qui va laisser tes ouailles dans notre paroisse vide, assieds-toi donc un peu. Je vois que tu nous quittes, au reste encore un peu. Je suis venu te dire, avant que tu t'en ailles, ne désespère pas, car ta vie va changer.
ton église vide que tu laisses tomber. Je suis là pour le dire, mais avant tes adieux, je te supplie ici, écoute encore un peu. Viens, remettons en place les statues de tes saints que t'as rangées en haut au grenier du malin. Ne tutoie plus jamais la Vierge ni les saints. Fais revenir ici le beau, le bon, le bien. Si tu ressors tes coupes et tes plus beaux calices, tu verras le Seigneur demain entrer en lice. Laisse donc tes assiettes et tes vieux pots de terre. Ce ne sont pas des toasts, mon ami, que tu sers. Allez, viens avec moi, tressons la table royale. Je sens déjà venir la famille royale. Ils t'ont fait oublier que tu étais un Christ, le vrai représentant du Seigneur Jésus-Christ. Ton église, mon père, ce n'est pas un musée. Le peuple ne vient pas ici pour s'amuser. Révise peut-être un peu le programme des concerts. Le bien ne s'use pas, surtout si l'on s'en sert. Réveille-toi un peu, prends courage mon ami. Allons dépoussiérer ta vieille sacristie. Il faudrait reparler des âmes du purgatoire et retrouver le blanc des purificatoires. Ils ne croient même plus à ce lieu de l'enfer qui ronge les damnés au centre de la terre. Ressort ton catéchisme, celui de la vieille église. Ne l'a même pas repris dans ta vieille valise. Toi, mon gentil curé, qui fait tout ce qu'il veut, arrête sur le parvis, reviens dans ton église. Permets-moi d'insister autant que faire se peut. Non, il n'est pas trop tard, repousse tes valises. Reste encore un peu, car ta vie va changer. Dans ton église vide, que tu laisses fermer, je suis là pour le dire, mais avant tes adieux, je t'en supplie encore, écoute-moi un peu. Va, ne perds plus ton temps aux anciennes liturgies. Regarde le nouveau choix, celui du Saint-Esprit. Ne te torture plus de belles théologies. Laisse tomber tes cours de psychophilosophie. Et le cœur tout en feu, fais retomber l'encens. N'aie plus peur de parler de ce très précieux sang, sa divinité et du Saint-Sacrement, qu'on adore en silence, à genoux chaque instant. Et puis reparle un peu aux hommes de leurs anges, même si ça leur paraît pour le moins très étrange. La messe est une fête, ne sois plus si sévère. Elle est au Christ lui-même, elle appartient au Père. Ne perds plus ton latin dans les trop vieux missels. C'est toi le bon apôtre et de la terre le sel.
Et c'est la gloire de Dieu qui scie, mon frère, tu sais. Alors ne l'oublie pas, tu célèbres un mystère. Et dans tes réunions où l'on pense à l'envers, quand on s'y réunit juste pour boire un verre, quand il croit être là pour élire le Saint-Père, reparle-leur plutôt de mon bon ami Pierre. Car c'est bien lui, mon frère, la plus belle étincelle. Mais c'est toi qui ici ressuscite à l'autel. Toi qui remets le feu à l'amour des merveilles et qui fais revenir parmi nous tout le ciel. Toi, mon gentil curé, je t'en prie, reste un peu. Je suis venu te dire autant que faire se peut. De ton église vide, il ne faut pas partir. Je te promets qu'un jour, elle va bien se remplir. On va t'aménager un nouveau presbytère. Pour nous, tu es toujours notre frère, notre père. Donne-moi tes valises et reprends tes adieux. On ne peut pas se quitter dans le monde de Dieu. Aux paroissiens qui restent, va faire le premier pas. Tu représentes Dieu, surtout ne l'oublie pas. Fais-leur donc un sourire, ils n'attendent que ça. La foi entre deux rires brille avec plus d'éclat. Arrête encore une fois tes improvisations, tes homélies sans cœur et sans grande conviction. Réussir une messe, ce sera ton exploit. Mais surtout, mon ami, qu'il voit que tu y crois. Donne de l'âme aux choses qui paraissent invisibles. Évite les habitudes qui s'éloignent de la Bible. Et sois toujours joyeux, je sais qu'ils reviendront. C'est toujours par la forme que l'on accède au fond. Mais surtout, mon ami, viens remettre la joie, car je sais que sans elle, il n'y a pas de foi. Le Saint-Esprit t'appelle, c'est une grande nouvelle, à prêcher plus souvent sur la vie éternelle. Quitte les beaux parleurs, repars aux confessions. Ils vont venir en nombre, ce n'est pas une fiction. Reprends maintenant les rênes, c'est bien là ta mission. Ne te laisse plus séduire, fais-y bien attention. Toi, mon ami, mon frère, écoute ma conviction. Voici la nouvelle ère, celle des nouvelles missions. Jésus va revenir avec sa nouvelle église. Prépare un bel hôtel pour l'aîné de ses filles. Toi, mon gentil curé, qui va laisser tes ouailles. Toi, mon ami, mon frère, dans les cœurs mets le feu. Le vrai feu de l'amour, le feu d'amour du Père. C'est moi qui te le dis, il revient sur la terre. Fais résonner les cloches, car il est bientôt l'heure. Et sonne le rappel, voici le Rédempteur. La France sera nouvelle avec trois nouvelles. La France renouvelle avec sa terre.
toi, mon Jean curé, qui allait laisser tes oies. Je suis venu te dire, avant que tu t'en ailles, dans notre paroisse vide, assieds-toi donc un peu. Je ne veux pas que tu nous quittes. Allez, reste encore un peu.